Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Et dans le live de ce soir, on va parler d'une question assez générale, mais qui me semble importante. C'est une question qu'on va poser aujourd'hui, qui est, mais qu'est-ce que c'est finalement le développement personnel? Est-ce que c'est pas un peu un fourre-tout dans lequel on met aussi le coaching et toutes les choses comme ça? Et donc, je vais aller séparer un petit peu tous les courants qui entrent en jeu dans le développement personnel et qui me semblent importants. C'est mon point de vue, c'est ma vision. Si vous avez des nuances ou des choses à apporter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est une discussion que j'ouvre, il n'y a rien qui est figé. Donc, le développement personnel, qu'est-ce que c'est pour moi? Dans le courant de la psychologie du développement, on a le développement du nourrisson, le développement de l'enfant, le développement de l'adolescent, le développement de la personne vieillissante, mais on n'a pas le développement de l'adulte. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'intéresse au développement de la personne. Et la raison pour laquelle on a ces courants-là, c'est parce qu'on veut comparer. Enfin, on veut s'assurer que le développement se passe bien ou que le vieillissement se passe bien également. Donc, on a étudié qu'est-ce qu'était un développement normal pour un nourrisson, pour un enfant, pour un adolescent, puis pour une personne vieillissante. Et le développement de l'adulte n'existe pas. En tout cas, quand je faisais mes études à l'université, il n'existait pas. Donc, pour moi, c'est à cet endroit-là qu'arrive le développement personnel. Si on observe les enfants, les adolescents, ils veulent toujours grandir. D'ailleurs, ils disent pas j'ai 3 ans, ils disent j'ai 3 ans et demi quand ils ont 3 ans et demi. Ils ont à l'intérieur d'eux comme ce feu sacré pour grandir, pour apprendre, pour se dépasser, pour toutes ces choses-là. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais quand on arrive à l'âge adulte, beaucoup d'adultes pensent que leur apprentissage est terminé. Et si on se réfère aux recherches de Frederick Hudson, on se rend compte que l'ancien paradigme disait qu'en fait on avait un apprentissage initial, donc admettons on faisait le collège, le lycée, puis on allait à l'université par exemple, on passait un diplôme et puis on avait terminé notre apprentissage pour le reste de notre vie. Et dans le nouveau paradigme, Frederick Hudson parle d'un apprentissage constant. Pour moi, c'est à cet endroit-là que le développement personnel arrive. Le développement personnel, il peut toucher tout un tas de choses, mais surtout votre sphère professionnelle. Et pas. Pardon, pas uniquement votre sphère professionnelle, mais bien votre sphère personnelle. Et quand je parle de sphère personnelle, en fait, on peut aller faire du développement personnel dans tout ce qui nous intéresse dans notre vie. Il n'y a pas un parcours de développement personnel. Il y a autant de parcours de développement personnel que ce qu'il y a d'êtres humains dans ce monde. Et l'idée, en fait, c'est que quand les gens découvrent le développement personnel, c'est comme si les portes de tout ce qui était possible pour eux s'ouvrait. Parce que tant qu'on ne fait pas de développement personnel, on pense que on est contraint et limité par les autres. On pense que si on a grandi dans une famille comme ça, on ne peut pas s'élever de statut social. On pense que les conditions extérieures nous définissent. On pense qu'on est nos pensées. On pense qu'on est nos émotions. On pense tout un tas de choses en fait qu'on a appris et on a grandi avec un certain nombre de croyances. Mais la notion de croyance, tant qu'on ne fait pas de développement personnel, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on pense que ce que l'on pense est toujours la vérité. Donc si je pense par exemple que c'est pas possible de lancer une entreprise alors que je suis issue d'une famille d'ouvriers et que j'aurai vraiment de la chance par exemple si je signe un CDI, bah forcément je vais pas lancer une entreprise. Mais ça c'est juste une croyance. Et quand on rentre dans le développement personnel, on se rend compte que les circonstances qui nous entourent sont neutres et en fait, c'est la manière dont on va les vivre, c'est la manière dont on va interpréter ces circonstances-là avec nos pensées. On va se rendre compte que nos pensées créent des émotions à l'intérieur de nous et qu'on agit, on réagit, on proagit ou on inagit, on n'agit pas, en fonction des émotions que l'on ressent. Et forcément, on obtient des résultats qui sont différents. Si on a une pensée qui est positive à la base ou si on a une pensée qui est négative à la base. Parce qu'une pensée positive va créer une émotion agréable et cette émotion agréable va faciliter l'action que l'on doit faire pour obtenir le résultat que l'on veut. Maintenant, si j'ai une pensée qui traverse mon esprit et que j'y crois, une pensée négative, qui crée une émotion désagréable à l'intérieur de moi. Dans le développement personnel, le premier truc qu'on vous apprend, c'est que c'est soit on agit dans l'amour, soit on agit dans la peur. Donc, réaction au pilotage automatique du cerveau, je vais agir dans la peur. Donc ça veut dire que je vais mettre en place mon système de survie. Ça veut dire que je vais réagir à ce qui se passe. Ça veut dire que je vais pas utiliser mon libre arbitre à ce moment-là parce que je vais être dans le pilotage automatique. Et du coup, le résultat que j'obtiendrai par le biais cognitif de confirmation est bien celui que j'ai pensé au départ. Donc je vais penser que j'ai raison de penser ce truc-là, alors qu'en réalité, c'est juste une pensée dans ma tête que j'aurais pu transformer. Donc ça, c'est la base du développement personnel. Quand on rentre dans le développement personnel et qu'on se rend compte de tout ce qui est possible, de à quel point est-ce qu'on peut transformer nos pensées pour se sentir mieux au quotidien,
pour développer notre vie, l'emmener dans la direction de ce que l'on a envie d'accomplir, qu'on se rend compte qu'on n'est pas limité par nos circonstances, par le pays dans lequel on est né, par le sexe avec lequel on est arrivé, par les études qu'on a fait ou pas quand on était plus jeune. Enfin bref, tout ceci n'a rien à voir avec notre capacité à nous développer et à nous révéler au quotidien. Le développement personnel, c'est comme cette porte qui s'ouvre et qui fait qu'on se rend compte qu'en fait, on peut réaliser, accomplir et se réaliser des millions de fois plus que ce qu'on avait imaginé. Maintenant, dans le développement personnel, il y a quand même un travers qu'on peut beaucoup observer aujourd'hui. C'est comme s'il y avait des personnes qui, sous couvert de développement personnel, de vouloir se développer, de vouloir grandir, vont acheter tout un tas de formations en même temps, puis rien suivre ou tout suivre en même temps, et vont finir par faire des burn-out de développement personnel. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez toute une vie pour vous améliorer. Et puis, c'est pas parce que votre copine, elle fait telle formation que vous devriez faire cette formation-là. Aujourd'hui, c'est pas comme quand j'ai démarré, ok ? Aujourd'hui, il y a des coachs pour tout, il y a du développement personnel à toutes les sauces et vous pouvez suivre le parcours qui vous correspond à vous. C'est pas parce que votre amie, elle a fait un programme sur la confiance en elle que vous devez suivre ce programme-là. Peut-être que vous, vous avez déjà naturellement confiance en vous et ce que vous avez besoin de travailler, c'est peut-être vos pensées. Peut-être que vous avez grandi dans une famille dans laquelle les personnes qui vous ont élevé étaient beaucoup plus anxieuses, donc avaient beaucoup plus de pensées qui étaient négatives, de croyances négatives et anxiogènes. Et du coup, potentiellement que vous, votre travail, ça se ferait plutôt à ce niveau-là. Il n'y a pas de... Merci pour les petits cœurs, hello, c'est bienvenue dans ce live. Il n'y a pas de parcours spécifique de développement personnel. Avec l'expérience, ça fait maintenant 10 ans que je fais ce que je fais. Bien sûr qu'il y a des grandes lignes, des choses que je vous invite vraiment à faire, mais vous allez vous rendre compte que le plus gros de votre travail de développement personnel, en réalité, ça va être d'aller déconditionner ce que vous pensez qui est vrai et qui limite en fait aujourd'hui les résultats que vous avez en ce moment dans votre vie. La différence entre... Merci. La différence entre les résultats que vous obtenez aujourd'hui puis les résultats que vous voulez, c'est soit un manque de confiance en vous, ça se travaille en développement personnel, soit une pensée inconsciente qui vous limite, ça se travaille en développement personnel, soit des connaissances que vous n'avez pas. Je vous l'ai dit, on est rendu au paradigme de l'apprentissage constant, on va apprendre tout au long de notre vie. Soit, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? J'ai oublié le quatrième. Ça va me revenir, c'est pas grave. L'idée, en fait, c'est que le développement personnel est censé vous permettre de vous sentir plus heureux. D'ailleurs, le courant de la psychologie qui a fait des recherches en psychologie sur le développement personnel, c'est la psychologie positive. Et je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que c'est la science optimale du comportement et du bien-être humain. Et humain, et des sociétés, et des organisations. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que dans le développement personnel, le fait d'avoir recours au développement personnel nous permet d'accomplir ce qu'on a vraiment envie d'accomplir dans notre cœur sans penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne mérite pas ou des choses comme ça. Si vous avez des pensées comme ça à propos de vous, alors le développement personnel va être extraordinaire pour vous. Maintenant, je voudrais qu'on fasse quand même une distinction entre le développement personnel et le coaching. Bien sûr, il y a beaucoup de coachs dans le développement personnel, mais sachez que le métier de coach est un métier qui est extrêmement précis, qui est extrêmement pointu, qui est très spécifique et qui demande une expertise, qui demande la maîtrise, la connaissance déjà du fonctionnement humain, puis la maîtrise de certains outils et une maîtrise qui vise vraiment l'excellence. Là, pour moi, être coach, c'est vraiment un métier d'excellence. C'est pas quelque chose qu'on peut s'inventer du jour au lendemain. Je sais que en France et même à l'international, en fait, ce titre-là, ce diplôme-là, n'est pas reconnu par l'État ou il y a pas de voilà. C'est pas quelque chose qui est réglementé. Maintenant, je vous assure qu'il y a une très grande différence entre quelqu'un qui fait du développement personnel et qui a une certaine connaissance du développement personnel et puis quelqu'un qui est coach. C'est pas du tout la même manière de faire. Mais vous pouvez apprendre énormément avec quelqu'un qui a fait du développement personnel puis qui a envie de vous transmettre des choses. Mais s'il vous plaît, mélangez pas les deux. On peut très bien faire du coaching sans parler de développement personnel. Par exemple, si j'interviens en entreprise, je vais pas parler de développement personnel. Je vais m'appuyer sur des études scientifiques, neuroscientifiques, sur des choses comme ça, plutôt que de parler de développement personnel. Mais mon point de vue sur le développement personnel, c'est que c'est juste l'opportunité pour nous de prendre conscience qu'on arrive avec des forces
qu'on arrive avec des parts de manque, qu'on arrive avec de l'ombre et de la lumière, et que finalement, notre job de cette vie, c'est de mettre le plus possible de lumière sur nos ombres, d'aller déconditionner, d'aller libérer ce qui nous empêche de nous réaliser pleinement. Et le développement personnel est un outil extraordinaire pour se sentir mieux, pour se sentir plus heureux, pour s'accomplir et s'épanouir de mieux en mieux chaque jour. Donc, même s'il y a énormément de choses dans le développement personnel, si vous n'avez pas encore mis les pieds dans le développement personnel, c'est vraiment un cheminement que je vous invite à faire avec vous. Ne prenez pas exemple sur les autres, ne vous référez pas à une seule personne quand il s'agit de développement personnel, parce qu'il y a autant de personnes qui font du développement personnel qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. Il y a autant de coachs que ce qu'il y a d'êtres humains sur cette planète. C'est pas possible de dire que le développement personnel c'est ça, puis qu'être coach c'est ça, c'est juste pas possible. Là, ce que je vous apporte, moi, c'est ma vision et je vous invite à faire la vôtre. Mais pour aller découvrir quelle est votre vision du développement personnel, eh bien, il va falloir aller expérimenter ce qu'est le développement personnel, vous servir de tous les outils qui regorgent dans le développement personnel pour pouvoir développer votre libre arbitre. Parce qu'une chose est certaine, c'est que entre une personne qui a jamais fait de développement personnel et puis une personne qui fait de développement personnel depuis 10 ans, là, ils n'ont pas le même libre arbitre. C'est pas possible. Parce que le libre arbitre, ça demande de prendre conscience que on n'est pas soumis aux éléments extérieurs, qu'on peut agir avec nos pensées, avec nos émotions, avec nos actions dans ce monde pour obtenir le résultat que l'on veut. Donc, plus vous faites du développement personnel, plus vous récupérez du libre arbitre et plus vous êtes capable de développer votre pouvoir intérieur. Et je parle de pouvoir intérieur, je ne parle pas de pouvoir sur les autres. Personne ne veut avoir le pouvoir sur les autres là, ça fait pas de sens d'avoir le pouvoir sur les autres. Ce qui est intéressant en revanche, c'est, et quand je parle de pouvoir, c'est pas quelque chose qui est dominant et qui est écrasant, c'est quelque chose qui est doux. Le pouvoir sur soi, parce que c'est comme si face à un comportement que on a l'habitude d'avoir, on peut se dire, attends, mais est-ce que ça, c'est un comportement qui me sert ou qui me dessert? Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ce comportement ou est-ce que j'ai envie de changer? Parce que ce qu'il y a de génial avec le développement personnel, c'est que vous allez pouvoir prendre conscience que, honnêtement, là, vous pouvez quasiment tout faire dans ce monde. Tout ce qui est humainement possible, vous êtes capable. Peut-être que vous n'y arriverez pas aussi vite que les autres, peut-être que ça prendra plus de temps pour vous, peut-être que ça ira même plus vite pour vous. C'est pour ça que je vous dis de ne pas vous comparer. La seule personne avec qui vous pouvez vous comparer, c'est avec vous-même. Mais l'idée, c'est que le développement personnel, c'est quelque chose qui est vraiment bon. Je pense qu'on devrait faire du développement personnel aux enfants, à l'école, au collège, au lycée. On devrait leur apprendre à avoir confiance en eux. On devrait leur apprendre qu'ils ont de la valeur. Le problème, c'est que la société a intérêt à ce qu'on se conforme à certaines règles, à certaines normes, parce que c'est plus facile de contrôler une population quand tout le monde croit les mêmes choses. Si vous regardez les infos à la télé, vous allez être conditionné par ce qu'on vous montre à la télé. Et puis, vous allez rencontrer vos amis, puis vous allez parler des mêmes choses que vous avez vues, et vous allez monter toute une vision du monde qui ne dépend uniquement de la vision des journalistes qui vous ont proposé cette vision-là. Le développement personnel, il permet de se rendre compte que, en fait, ça, c'est la vision des journalistes. Mais vous pouvez avoir une vision qui est différente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune vérité dans ce monde. Ça veut juste dire que votre manière d'interpréter les circonstances va faire que vous allez être heureux ou malheureux. Va faire que vous allez agir ou pas agir. Va faire que vous allez être en pilotage automatique alimenté par vos peurs ou en pilotage intentionnel, alimenté par vos rêves, votre vision et ce que vous avez envie d'accomplir dans ce monde. Maintenant, je dois aussi vous dire que tout développement personnel conduit au développement spirituel. Plus on libère le plan mental, plus on a accès au plan spirituel. Et puis, c'est juste impossible de faire du développement spirituel sans faire du développement personnel. C'est pareil. Sinon, on devient des gourous. On n'est pas du tout des êtres humains alignés. Donc pour moi, le développement personnel, le développement spirituel, la psychologie positive, les neurosciences et tous ces courants-là sont des choses qui sont très intéressantes, auxquelles on devrait juste s'intéresser pour se faire un avis, plutôt que d'écouter la vision d'une personne, certains journalistes, qui vont dire des choses qui ne sont pas la réalité à propos de ce courant qui est extrêmement large, et se rendre compte que dans le développement personnel, vous avez vraiment de tout là. Vous avez des personnes qui sont extrêmement brillantes, qui vont vous permettre d'aller vous réaliser pleinement, complètement, de faire un chemin de transformation personnelle
qui va être juste extraordinaire. Et puis, vous avez des personnes qui vont juste vous permettre d'avoir des prises de conscience, puis d'autres personnes qui vont vous permettre de faire des changements en termes de comportement, en termes d'habitude, en termes d'attitude. Puis, vous allez carrément avoir des personnes qui vont vous élever vers la maîtrise, qui vont vous permettre d'aller toucher du doigt l'excellence. Parce qu'il y a des gens qui sont venus faire ce métier-là pour cette raison-là. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un impact extraordinaire dans ce monde et qui permet au monde de devenir meilleur de jour en jour. C'est comme, pour moi, je pense que ce qui illustre le mieux, finalement, le développement personnel, c'est cette phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Le changement dont il parle, il est d'abord à l'intérieur de nous. Plus on va mettre de la lumière sur nos ombres, plus on est capable de s'aimer. Peu importe nos qualités, peu importe nos défauts, peu importe notre lumière ou notre ombre, juste de s'aimer là où on est, tel qu'on est. Plus on va être capable de mettre de l'amour pour soi, sur soi, à soi, avec soi, plus on va pouvoir donner de l'amour à l'extérieur. Donc oui, le développement personnel, c'est extraordinaire. Ne vous laissez pas piéger par cette surabondance au développement personnel. Faites comme les piliers, les bilans de vos piliers de vie, puis regardez l'endroit dans lequel vous avez besoin de porter votre attention en ce moment. Portez juste attention sur ce pilier-là pendant un mois. Regardez des vidéos sur YouTube, lisez des livres, achetez des formations. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, de toutes les manières, donc vous trouverez votre bonheur. Et puis, au bout d'un mois, réévaluez ce pilier-là. Voyez comment vous avez progressé. Voyez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Décidez de continuer de vous améliorer dans ce pilier-là ou décidez de passer à un autre pilier. Mais allez-y étape par étape. Ça ne sert à rien d'acheter 15 formations de développement personnel parce que vous voulez aller vite. Et s'il y a une chose que j'ai apprise depuis que je fais du développement personnel, depuis que je m'intéresse à la psychologie, donc maintenant, ça fait... Ça fait 20 ans. C'est que le développement... S'il y a un endroit dans lequel il faut vraiment prendre son temps, c'est vraiment le développement personnel. Parce que quand on veut aller trop vite, on ne prend pas le temps de créer des vraies autoroutes neuronales dans notre cerveau. Et du coup, on prend le risque de retomber dans nos travers. Ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Parce qu'au départ, je voulais vraiment aller très très vite, me développer très très vite. Comme j'avais cette croyance que plus j'allais aller vite, plus j'allais arriver au sommet. Comme quand on est enfant et qu'on va avoir 18 ans et qu'on pense que 18 ans, c'est le sommet, voyez. Mais moi, j'ai été cet enfant du développement personnel pendant longtemps. Et puis finalement, j'ai compris que plus je prends mon temps pour aiguiser, affûter mes armes, pour aller découper le diamant que je suis et le diamant que vous êtes tous, hein, c'est pas, je ne sais pas, plus que vous, on est tous des diamants. Mais notre job, c'est d'aller découper, d'affûter, d'aller... Il y a un mot, j'imagine, en joaillerie, mais je ne le connais pas. D'aller tailler le diamant que vous êtes pour révéler votre lumière et offrir cette lumière à ce monde-là. Mais prenez le temps d'affûter vos armes. Prenez le temps de travailler sur vous, de faire ce travail un peu de l'ombre, du développement personnel qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être tellement débordant à l'intérieur de ce truc que vous avez développé que ça va se voir à l'extérieur. Je crois que la plus grande erreur que les gens font... c'est de vouloir montrer une image de quelque chose qu'ils ne sont pas encore et de créer l'image sociale et ils sont là et ils mettent tout leur focus, toute leur énergie, tout leur temps sur cette image sociale. Mais le problème, c'est que le gap entre là où ils sont et ce qu'ils montrent se creuse de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Et le problème, c'est que ça crée le syndrome de l'imposteur, ça crée un manque de confiance, ça crée du doute et des choses comme ça. Alors que... si on arrêtait de créer une image sociale de quelque chose qu'on voudrait montrer dans ce monde et qu'on se concentrait sur, ok, quel est l'aspect de ma vie sur lequel j'ai envie de travailler ce mois-ci, ou ce trimestre-ci, ou cette année, peu importe, d'accord, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas parce que je vous dis, concentrez-vous sur un pilier pendant un mois que vous devez absolument faire ça. Faites ce qui est juste pour vous. Et pour savoir ce qui est juste pour vous, écoutez-vous. Remettez vos antennes à l'intérieur. Et plus vous allez être capable de mettre vos antennes à l'intérieur, de suivre ce qui est bon pour vous, plus ça va être facile de faire votre développement personnel. Mais si vous avez constamment vos antennes à l'extérieur, à chaque fois que quelqu'un va parler d'un livre, d'une formation, de quelque chose, vous allez plonger dans ce truc-là, puis vous allez être en train de faire de la boulimie de développement personnel. Et si vous saviez le nombre de personnes que j'ai eues après en coaching qui sont comme dégoûtées du développement personnel ou du fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, juste parce qu'en fait, on leur a présenté une image qui était fausse. Le développement personnel, c'est pour toute notre vie d'adulte. On a le temps. L'idée
c'est pas de vouloir courir avant même de savoir marcher. L'idée, c'est juste de poser un pied, un pas devant l'autre tous les jours et d'avancer et de s'améliorer juste de 1% parce qu'avec l'effet cumulé, les résultats qu'on obtient sont extraordinaires. Voilà ce qu'est le développement personnel pour moi. J'espère que ça aura répondu à l'image que vous avez. J'espère que j'ai pu clarifier votre vision du développement personnel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse de savoir comment ce mot-là résonne pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté depuis quand vous en faites? Comment est-ce que vous avez découvert le développement personnel aussi? C'est intéressant d'avoir ces aha moments là. C'est extraordinaire de se rappeler ça. Je vous laisse. Je vous embrasse. On se parle demain. Bye!